La pâture. La pâture. Vous aussi, hein. L'idée c'est de créer, donc de trouver une façon pour utiliser le travail des enfants dans un projet donc, de fresque. On a des gros pinceaux et on a des grandes feuilles. Et en fait, l'idée c'est de faire de peindre en grand. On peint en grand aujourd'hui, on fait pas un loup comme ça. Si on fait un loup, on fait un grand loup comme ça qui prend la moitié de la feuille. Et si on fait un arbre, et ben l'arbre il peut prendre toute la feuille, carrément. Et dans l'arbre, on peut dessiner des petites choses, des petits oiseaux, on peut faire des fruits, on peut dessiner un soleil qui est dans la nature. Des bananes. Des bananes, allez, Moi je vais faire. Je vais partir sur un arbre. Si l'eau est trop épaisse, on met un petit peu d'eau et on barbouille. Parce que l'eau ça fait. Regardez, c'est joli, ça fait gicler comme ça là, c'est super ça. On met l'ange, pareil, on peut faire dégouliner aussi. Voilà, c'est du grabouillage, exactement. C'est du grabouillage. J'assume. On va mettre aller un petit peu de verre, histoire que ça change un petit peu. Oh, mais on se rend compte que la peinture elle dégouline. C'est bien de faire ça. Bah, allez hop, on va faire ça en dégouliner. Ah, ça manque un petit peu de couleur là. Ça, on va aller en faire une branche. Allez hop. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va être magique. Ça va faire un truc. Bien oui. Oh bah c'est joli. C'est pas grave. Doucement, arrête-toi et laisse. Attends, il faut prendre plein de peinture au fond. Voilà, Alex, et bouge pas, laisse dégouliner. Voilà, et va doucement, tu vois, comme ça, t'arrives même à dessiner ce que tu veux. Tu mets ça? Allez, on y va. C'est trop bien, les enfants là. Ça va, non? On a décidé de mettre un peu d'orange. C'est une bonne idée. Alors, on va poser les pots, on va prendre l'orange. Allez, remplissez-moi la feuille, il y a encore plein de place. Regardez, c'est tout vide au milieu là. Tu veux qu'on plie un petit peu maintenant? Oui. Attends. Alors, mets ta main. Appuie là-bas. Mais vous êtes des artistes, vous avez tout compris tous les deux. On ouvre. Allez-y. Ça vous plaît? Vous voulez pas encore continuer un petit peu là? Oui, encore. Je vais vous donner une autre couleur. Attends, on va prendre une autre couleur. Tu peux se plier, voilà. Avec les pieds? Tu veux faire avec les pieds? Allez. Qu'est-ce qu'on voit comme trace dans la forêt, Samuel? Hein? Qu'est-ce qu'on voit? Ouais. Tiens. Voilà. Et si tes mains comme ça? Allez, non, on a la lance. On va mettre.
regarde, comme ça. C'était rigolo de jouer avec la peinture. Oui, très rigolo. Très drôle, hein. Ça part pas. Si ça part, mais il faut frotter. Tiens, tu peux aller là. Là, on va coller tous ces petits bouts pour en faire quelque chose qui ressemble à une forêt. Voilà. Donc, vous avez des grands bouts, moyens et petits. Tiens, la colle, ça n'a pas. Alors, le but du jeu, c'est de faire disparaître complètement le verre de la porte en dessous. Hein. Le premier truc qu'il faut faire, c'est ça. Il faut mettre du papier de partout pour qu'on voit plus. Là, ça va aller, hein, la quantité. Ouh là, il y a trop d'école. Là, c'est beaucoup trop là-bas. On va bien tendre comme ça. Nickel. Nickel, ça. Nickel. Je te mets plein de pain chaud, comme ça tu m'étales après. Hein. Oui, mais... Il est parti, il est revenu. On l'a charmé. C'est bien plaisir qu'ils sont motivés comme ça.